大家好，今天我们来学习是什么什么的句型。主讲：班超老师。教学对象：初级学生，学过30个学时，掌握150个词汇。教材：HSK 标准教程一，第15课语法。Salut tout le monde, nous allons étudier le programme grammatical 是什么什么的 le narrateur.Professeur Etienne Bamouya. Des étudiants. Les étudiants, ce sont des étudiants du niveau 1 qui ont déjà étudié 30 heures et qui maîtrisent 150 vocabulaires. Le manuel utilisé est celui de HSK Standard 1, 15e chapitre. 我们先来复习一下。我来说法语，你说汉语。D'abord, on va faire une petite révision. Je vais dire le français et vous allez dire le chinois.Connaître, 认识 année, 年 université, 大学 restaurant, 饭店 taxi, 出租车 ensemble, 一起 joyeux, 高兴 écouter, 听 avion, 飞机非常好，我看到大家都复习得很好。Très bien, je vois tout le monde a bien révisé. 那我们看今天的内容，给你们一个图片，你们看这个图片的人，他们正在说什么，或者正在做什么。Regardez bien. Notre nouvelle matière, je vous donne d'abord une photo. Vous allez me dire ce qui se trouve sur cette photo, ils sont en train de faire quoi. 我们来听听他们的对话。On va écouter leur dialogue. 有两个人，有 A, 有 B, 他们正在说，我们听。Il y a des personnes, ils sont en train de dialoguer. On va écouter leur dialogue. 你想去哪里？我想去中国买鞋子。你什么时候去？我明天去。你怎么去？我坐飞机去。La première personne dit, je veux, 你 demande, 你 tu veux aller où? Je vais aller en Chine acheter des souliers. Quand est-ce que tu iras?J'irai demain. Comment tu iras? J'irai en avion. 那如果我们把这三个组的句子用我们的今天的是什么什么的，会是什么样子？ Si on prenait ces trois phrases, ces trois groupes de phrases, on utilisait notre phrase, notre structure, 是什么什么的， que deviendra-t-il? 他们变成这样，你是在哪里买的？我是在中国买的。你是什么时候去的？我是昨天去的。你怎么去的？我是坐飞机去的。Ça devient? Où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté en Chine. Quand est-ce que tu y étais? J'y étais hier. Comment tu y étais? J'y étais en avion. 你们看，第一组的句子，意思就是动作行为发生前。而第二组是动作行为发生后。Regardez bien, le premier groupe, c'est lorsque l'action n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire avant l'action. Tandis que pour le deuxième groupe, c'est lorsque l'action a déjà eu lieu, c'est-à-dire après l'action. 那什么时候或者在什么样的情况下可以有我们的是什么什么的句型？ Alors, dans quelles circonstances liées à l'action?Utilise-t-on cette structure de phrase? 是什么什么的，强调说明做某件事情的时间、地点、方式。要注意是被强调的，必须是已经发生过的事情。是什么什么的 est utilisé pour mettre l'accent sur le temps, le lieu et la manière d'une action. Cette action doit être déjà avoir eu lieu. 我们先来看一看。我们上面看到的句子有三组，比如说第一组是你是在哪里买的，我是在中国买的，这个组的句子强调是地点。 Pour le premier groupe ici où la vérité je l'ai acheté en Chine il met l'accent sur l'endroit le lieu tandis que pour le deuxième groupe 你是什么时候去的和我是昨天去的Ça met l'accent sur le temps.
第二组，你是什么时候去的？我是昨天去的。强调是时间。而最后一组，你是怎么去的？我是坐飞机去的。强调是方式。Le troisième groupe qui est le dernier, comment tu y étais? J'étais en avion. Ici, ça met l'accent sur la manière. 那我们的这个是什么什么的句子？它的结构是什么样子？它的结构就是这个，有主语加上是加上 w， 这个 w 代表是地点、时间和方式，最后再加上动词加上的。Pour notre structure 是什么什么的 ？Il y en a le sujet, please, le verbe je, ajouter w. Ici w ça représente le lien, le temps ou la manière. Ajouter le verbe et puis enfin ajouter de. 那大家你们明白了吗？如果明白了，我们再做一个练习。Tout le monde a compris? Très bien. Si vous avez compris, alors on va faire une petite exercice.学生两个人一组，先有一个学生告诉另外的学生他做了一件事，然后两个人用是什么什么的句型来讨论做这件事情各方面的情况。Des étudiants forment un groupe, l'un dit à l'autre une chose qu'il a fait, et puis les deux utilisent la forme grammaticale 是什么什么的 pour parler des différents aspects de cette action. 给你们十分钟的时间。Je vous donne 10 minutes. 好，我看了大家都做好了，那我们来听听这一组的答案。好，这一组你们选择这个，咱们最后把这个电影，对吧？好，一个说，我看了一部很有意思的电影，然后他们开始讨论。A 说 ，B 回答，你是在哪里看的？我是在电影院看的。你是什么时候看的？我是前天看的。你是怎么去看的？我是坐出租车去看的。Très bien, on va écouter le premier groupe. Ici, il avait choisi le film On va se marier. Et puis, il commence. Lundi, qu'il a vu cet film très intéressant. Et puis, Adi me répond.Où tu l'as vu? Je l'ai vu au cinéma. Quand est-ce que tu étais allé le voir? J'y étais avant-hier. Comment tu y étais? J'y étais en taxi. Très bien. Vous avez fait un magnifique travail. 很好，很好，你们做得很好。那我们来总结巩固。我们做的是三组的句子。第一组是强调地点，第二组强调是时间，然后做一组强调是方式。但是有的时候我们的是可以被省略，那这个是什么情况下？是在如果我们的句是肯定句或者疑问句，就可以把那个是省略。就是说我可以说你在哪里买的，这个等于你是在哪里买的。也可以说我在中国买的，等于我是在中国买的。但是要注意，如果是否定句，这个是必须写，所以我们必须说我不是在中国买的，不能说我不在中国买的。Alors, attention.Il y en a des fois où on peut trouver notre structure si 什么什么的 est amputé de 是 alors on utilise seulement le de et on en met le 是 quand est-ce que ça arrive c'est lorsque on est à faire une phrase affirmative ou une phrase interrogative par exemple je peux dire c'est que j'en trouve entre parenthèses 你在哪里买的 ça équivaut à 你是在哪里买的 tout ça signifie où avez-vous avez-vous l'acheté? Mais aussi, on peut dire, 我在中国买的, ce qui représente, 我是在中国买的. Mais attention, lorsqu'il s'agit d'une phrase négative, par exemple, 我不是在中国买的, on doit écrire notre chi. On ne peut pas dire, 我不在中国买的. 大家都明白了? 好, 非常好, je vois tout le monde a bien saisi, ok?
作业 devoir 回去准备照片，上次要到前面来介绍我们要用是什么什么的句型介绍自己的照片。 Allez préparer des photos qui vous allez exposer la fois prochaine en utilisant la forme grammaticale 是什么什么的。好，到这里就结束了，下课。Jusqu'ici, notre cours se termine. Au revoir.